tous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle communément le passage à vide. Donc, c'est techniquement, c'est un hors-jeu offensif. Donc, un joueur qui se trouve devant son coéquipier qui porte le ballon et qui vient en contact avec l'adversaire. L'arbitre, généralement, a tendance à le siffler lorsqu'il gêne la défense de façon évidente. S'il ne gêne pas la défense, l'arbitre a le choix également de le trier, donc ne pas siffler la faute. Il peut considérer soit que c'est volontaire, et donc il sifflera une pénalité, ou que son hors-jeu est involontaire, et dans ce cas-là, il leur donnera une mêlée pour l'équipe adverse.